Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. On se retrouve pour le deuxième petit match de ce petit tournoi contre Yo-Yo. Et que vous êtes, on se retrouve toujours avec Matt et Roxas Rust, bonjour du coup. Évidemment, ouais. Salut. Donc aujourd'hui petit match LC, donc ça peut être déjà pratiquement décisif pour KBZ s'il arrive à mettre ce deuxième point, surtout sur les matchs de Johan, ça veut dire que voilà. Donc du coup en face, donc vous avez Johan en face bien évidemment et KBZ au premier plan, tout simplement. Alors KBZ, une team assez originale, hein, deux duos qu'on voit absolument jamais. Venalg non plus. Même le mini dragon. On voit pas, Venalg qu'on voit pas trop. Du côté de Johan, il a voulu tenter, alors ce qu'il m'avait dit, un combo qui est vraiment pas mal, donc le Sun plus Chetiflor, qui est vraiment très bon. Je crois que quelqu'un avait utilisé dans le grand tournoi. Bref, voilà, c'est très bien. Et le petit mini coquillage, je crois, c'est coquillasse. Ouais, je crois que c'est coquillasse. Ouais, c'est coquillasse. Qui est vraiment pas trop mal, mais bon, contre la team de KBZ, je pense pas que ça soit énorme, énorme. Donc voilà, bon, je dirais que la team de Yann a peut-être quand même peut-être plus l'avantage, même si celle de KBZ est assez sympa. Voilà. En fait, KBZ, c'est vraiment un peu spécial parce que il a deux duos. Qui est vraiment un Pokémon, je sais pas contre quoi il va être tout de suite dans la team de Yohan. Suicide-le ! Non mais c'est vraiment ça, parce que... Là, ça va partir sur un Earthquake, je pense. Parce que dans son team building, il l'a monté comment son audio ? Parce que j'ai sa fiche... Je sais pas, elle est pas mal, franchement, il a... Il a une Evolura, il a un Evolura, Knuckle, Frost, Brave Bird. Il a passé PDR, très bien. Alors derrière, je pense que ça va partir sur un double séisme. Double séisme, non ? Rock Blast, oh Rock Blast Miss, bon, de toute façon, c'est pas non plus très très grave. Du coup, derrière, il va partir sur ça pour casser, je pense, sa focus slash. Un petit coup bas. Ah, et ça fail parce que lui, il passe ses PDR. Bien joué, ça, franchement, de la part de KBZ. Et derrière, il se prend un Earthquake terrible. Ok. Du coup, il envoie Vulpix, il prend déjà cher sur le truc. Ok, donc 8 turns de Sun parce qu'il a la pierre, enfin la roche. Voilà, donc. Là en vrai il faudrait qu'il fasse des dégâts au moins du glitch parce que sinon je pense qu'il focus slash, donc ça va être assez gênant. Ah bien voilà, il joue focus slash ou pas KBZ. Son attends, juste de dire. Je pense que oui, hein, c'est le set de base. Avec Sucker Punch. Oh là là, il le joue Sucker Punch, ouais. Désolé, Dave, tu pourrais vraiment nous envoyer le lien, j'ai pas suivi la. On va le vite fait, c'est pas très important. Et je peux pas l'envoyer moi. Tu vois, tu sais, je. Vu que oui, tu... oui, oui. Bah, non, Théo, je sais même pas comment on envoie cette merde. Bah, attends, je vais le trouver. Au pire, va dans le chat. C'est du... Ouais, je suis en mode random, désolé. Je suis une suivez le combat. Okay. Ah, c'est bien joué ça. Il a réussi à passer ton boostiflore. Oui, mais le truc, c'est que derrière, justement, la boostiflore, elle va se prendre des dégâts de part par ça. Ouais. Là, la focus slash qui va le mettre à 1 HP. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il représente un HP. Et derrière, il va sortir en fait. On dirait une chipoulatale, bordel, hein, quoi. Donc là, Yohan qui a du mal à placer ses. Il a resté en vie. Ses time à chaque fois. Ouais, non, là, il galère. Déjà qu'il a pas réussi donc dans le match NU, hein, que je vous invite à aller voir, hein, très bien. Il a pas réussi à placer sa reine, donc là, c'est la seule qui arrive pas trop à bien gérer non plus. Ah, c'est compliqué aussi, il a passé des temps. Hein. En fait, le Rock Blast limite était un miss décisif, parce que sinon, là, il aurait eu chez Tiflor pratiquement full vie, du coup. Parce que Rock Blast lui aurait fait au moins des dégâts, ça aurait cassé la ceinture force. Bon, écoutez, il en faut bien un petit peu de la chance. Une fois pour que l'armée, bon, bah, oh, il le dépasse. Ouais. Oh non, il a pas fait Sucker Punch, KBZ. Il a pas voulu refaire Sucker Punch, ouais. Ok, d'accord. Alors, pourquoi pas, Dodio. Putain, le 2 duo qui ressemble à rien. Il y a pas le 2 duo Bronze qui va faire mal. Non, là, il a pas d'attaque prioritaire. Il va se prendre un putain. Ouais. Oh, il aurait pas dû faire Solar Beam. Voilà. Oh, ah, de toute façon, Brave Bird. Il aurait pas dû faire Solar Beam, il aurait dû faire Wither Ball ou Slush Bomb. Parce que là, de duo, je prends pas. Bon, là, du coup, ouais, je pense. Partir sur un petit Elikid. N'oublions pas qu'il reste encore Abra. Hein. Abra qui fasse la team okay, de bon, là, ça va partir sur. Ah putain, les PDR, du coup, qui a la ceinture force. Ah, il doit avoir Ice Beam, non? Non, il a, tu sais, cette. En soit, s'il arrive à le placer, ça peut être bien, mais derrière. Oh là là. Ouais, bah là, de toute façon, il s'est suicidé, hein. Enfin... Et là, ok, bon, là, Yohan qui arrive à le placer, ça va. S'il a pas d'attaque de priorité, Yohan peut revenir un peu dans le match. Parce que là, il en reste que 3 Pokémon. Oh, mais ça se trouve, il a Roar ou un truc comme ça, et puis il. Ouais, là, il attaquera avant. Il a Knuckle. Donc là, ouais. Qu'est-ce qu'il va envoyer ouais, non, là, ça va être chaud. Bah là, c'est Venalg, peut-être, pour faire. Ouais, voilà. Venalg, mais. Faut un truc qui tienne. J'aime pas si Venalg Il est poison haut, il n'est pas encore dragon. Scrape.
Je sais pas, là ça va être Venalgo qui peut tenir, je pense. Donc ça attaquera toujours 5 fois, hein, bien évidemment, grâce au talent de Coquillas. Donc on va bien voir s'il le tient. Limite, il faudrait qu'il parte sur un Rock Blast. Ah non. Putain, cette attaque. Il aurait dû faire directement le Rock Blast. It's not very effective. Derrière, qui peut... Oh bah là, il est mort, hein. Je pense que... Bon, derrière, il a Abra encore, qui peut venir faire des dégâts. Ouais, mais même, c'est chaud, hein, y a un autre Abra de l'autre côté, ça peut... Enfin, ouais, je sais pas. En fait, s'il le joue pas tout de suite, ça va, parce que derrière, Kongvin se fait tuer avec Psychic. Venal se fait tuer avec Psychic, elle envoie des kills. Il va vraiment garder Abra, mais... Le truc, c'est que... Là, ça aurait été un peu bon. Bah, je pense qu'il veut garder Abra pour Kongvin. Ouais, mais il aurait dû... Ouais, mais il l'aurait mis maintenant. En soi, ça aurait été une suite taille entre Abra, je pense. Enfin bon, on va... Bah, en soi, là, Elekid va faire très mal à Venal, les gars. Mm. Limite s'il fait. En fait limite le meilleur move là qu'il pourrait faire c'est Volt Switch. Mais je crois qu'il le joue physique il m'a dit. Mais limite il aurait fait Volt Switch, il aurait switch sur Abra, ça aurait été pas trop mal. Ah mais ce qu'il faudrait que fasse peut-être qu'il serait envoyé Ponyta maintenant. Ouais peut-être. Ponyta ouais mais ouais pourquoi pas. Bah après là en soi il faut qu'il envoie quelque chose qui peut se prendre un Thunder Punch. Donc Au revoir. Oh bah il le laisse mourir. Et s'il envoie Kung Fuin. Oh mais je pense que c'est pas plus mal à la limite. Quoique ça. Ouais c'est dur quand même. Ponyta. Il va se prendre cher aussi. Ah il est Choice Scarf Ponyta. Bah s'il fait bout de feu, autant dire qu'il va être très déçu parce qu'il va prendre beaucoup de dégâts. Après je crois qu'il le joue statue. C'est-à-dire avec le double statue. Non il le joue avec Evolurock hein. Ouais mais il le joue toxique Will-O-Wisp. Ouais. Avec Flare Blitz, mais s'il fait Flare Blitz, il va prendre beaucoup de dégâts. On va bien voir qu'est-ce que ça donne. T'as baisé de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas compris qu'il fallait jouer. Thunder Punch, tu vois, qui a fait 62% de vie. Le Icel Spear, il aurait dû faire Rock Blast, je pense, il aurait tué Venal. Ah, je sais pas, c'est chaud. Et soit Lion qui a pas réussi à placer l'autre. Donc, c'est vrai, tu vois, à mon avis, on part sur. Ah, c'est pas fini hein, quand même, hein. Ça dépend de sa résistance. Les dégâts qui. Ah putain, oui, d'accord. Derrière qui prend les dégâts, c'est pas fini. Derrière, il tue Kung Fu, là il tue Ponyta, ça a joué une speed tie d'Abra en fait, je pense. Ouais, là, c'est on va aller sur de la chance, non? Un peu. Ouais, là, c'est. Là, il le tue, derrière Kung Fu, il le tue, et derrière, ça sera la speed tie d'Abra. Ok, bon, il préfère faire la speed tie maintenant, pourquoi pas. Alors, attention, qui aura le plus de chance? Attention, on va bien voir. Et là, il peut plus switch, lui. Bah, il gagne, je crois qu'il reste que ça. Ouais, c'est ça. Alors attention, Abra avec un petit peu de bordel en France. C'est pas grave, évidemment. Un petit peu de bordel. Oh non, Ivan qui a fait la PC Fight, pourquoi? Oh, pourquoi a-t-il fait ça? Bah, il s'est dit que ça marcherait mieux. Mais quoique là, ouais, mid lane. Ah, mais là, il aurait dû taper Psychic. Là, il va. Ouais, ah, ouais. Teasing Link fait beaucoup trop de dégâts. Allez, la petite speed tie là. Yuan et Kobuza va être change. Ah non, voilà. Ah ouais, putain. Yuan qui avait gagné deux premières et là KBZ du coup qui a gagné la dernière. C'est juste celle qu'il faut au final. C'est pas grave. Côté c'était plutôt pas mal. Donc une mutant encore KBZ 2-0. Très bien, très bien. Donc bon, on se retrouve tout de suite sur Skype comme d'habitude. Et bien voilà, donc tout le monde. Donc on se retrouve en compagnie du gagnant et du perdant du coup. KBZ 2-0. Ouais. Donc c'est plutôt pas trop mal, donc petit match accès. En plus, les deux tirs que Yuan avait choisi, hein, donc ça c'est une impression supplémentaire. C'est pas bien grave, donc bon, c'est joué peut-être un petit peu à de la chance, bon, disons-le, bon voilà, après Yuan, hein, c'est pas non plus celui qui a le moins de chance, disons-le, ou peut-être dans le prochain match. On va dire qu'à le match d'avant, il a loupé 3 de toxiques. Oui, voilà, j'ai loupé 2 toxiques, donc ça compense. Ouais, mais c'était. Ouais, bon. Ça va, c'était à peu près pareil. Bref. Du coup, ça fait 2-0. Donc la prochaine victoire est décidée déjà pour KBZ. Et dans ce cas-là, donc du coup, bah, Yu Kong devra affronter le perdant entre moi et Matt. Du prochain match. Et ouais. Du prochain match, pardon. T'es prêt, Matt? Je te défoncerai. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. KBZ est beaucoup trop fort en ce moment. Bref, en tout cas, merci à vous. Puis bah, autre chance. Tout le monde. À plus. Allez, salut.